Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vais faire un complément à la vidéo que j'ai faite sur les vax. Et cette fois, je vais passer en revue chacun des vax que l'on connaît, alors en prenant des noms de code. Donc pour le premier, je vais prendre Astra. Je pense que vous saurez identifier facilement duquel je parle. Et donc, on va regarder tout de suite, toujours avec mon jeu de la triade, ce que le jeu et ce que mon intuition, évidemment, peuvent me dire sur ce vax. Alors, Astra. Donc, on va demander quels sont les effets sur le corps. Voilà, c'est parti. Donc, science et voyage. Donc, ça veut dire en fait que c'est quelque chose qui vient de l'étranger, effectivement. Je ne sais plus de quel pays d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, on va regarder les effets de l'astra sur le corps. Effet de l'astra sur le corps. Voilà. Donc ça, ce sont les gens qui se sont fait vax. Ben écoutez, j'ai la carte malheur qui sort tout de suite. Hein. J'ai la foudre. Et j'ai l'initiation. Bon. Alors là, j'ai pas forcément d'organes. Ici. Par contre, ici, j'ai la carte du décès. Claire et nette. Que je n'avais pas sortie dans le premier tirage. Donc ici, ce sont les gens qui se sont fait piquer, à mon avis. Ici, alors c'est quelque chose qui peut arriver soudainement. Alors cette carte-là n'est pas en relation avec le système veineux, mais on a quand même des espèces de ramifications ici qui peuvent faire penser quand même à un problème de circulation. Mais bon, si on considère que cette carte-là n'est pas en relation avec un organe, on a quand même le côté foudroyant ici. Donc ce qui voudrait dire que les effets sont relativement rapides et complètement destructeurs. Ici, on a l'initiation. Alors, ça peut parler des enfants ou des jeunes gens. Donc, ça voudrait dire aussi que éventuellement, ce sont plutôt les personnes jeunes qui sont peut-être plus facilement, on va dire, atteintes par les effets secondaires. Donc, on va voir ce qu'on peut en dire de plus. Mais a priori, déjà, celle-là, cette carte-là, c'est la plus mauvaise carte. Hein, donc, c'est la carte des décès. Alors ici, on a un retour. Donc, c'est quelque chose qui tourne dans l'organisme ici. Alors, c'est vrai que ça fait penser quand même aux histoires de circulation, hein, puisque évidemment, on a la circulation sanguine. Donc, ça tourne bien ici. Alors, on a peut-être quelque chose qui touche davantage les femmes. Alors, je n'ai pas les statistiques, hein, faudra les regarder. Mais il y a quelque chose par rapport aux femmes. Et ça peut être aussi le côté organe féminin ici. Et ici, alors en fait, on a la carte des enfants, mais avec cette carte-là, je vais plutôt rectifier et dire que c'est plutôt des choses qui vont être communiquées. Communiquées, pardon. Donc là, c'est vrai qu'à propos de ce, comment dire, de ce vax-là, on aura davantage d'informations. Ouais. Ouais, voilà, moi j'ai quand même la confirmation effectivement qu'on a bien un problème de stérilité ici, hein, parce que je vous ai parlé des organes féminins, et cette carte-là, c'est la stérilité. Donc en plus des problèmes que l'on a vus, ou à mon avis, effectivement, il y a le côté veineux ici, il y a le côté stérilité ici, mais la première carte, c'était vraiment les décès. Hein, donc très 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 mauvais. Bon, donc il y en a un ici qui est fait. On va passer au suivant, alors que j'ai appelé Psy. Un petit vous compléterait. Hein. Donc on va passer sur le psy. On va voir ce qui sort. Pareil. Quels sont les effets sur l'organisme concernant le psy. Donc la piqûre psy. Voilà. Je suis désolée un peu pour le langage codé, mais bon. Je pense que vous m'excuserez à ce sujet. Alors. Ah là par contre ça m'embête. Ouais, alors je vais vous dire ce que c'est la coupe après. Mais j'ai la carte de l'élévation. Oui, oui, oui. Je vous dirai après ce que c'est. Alors, Phi, les effets sur l'organisme. Phi, sachant que c'est celui qui a été le plus utilisé en France. Hein. Bon, déjà, sur cette thérapie-là, on va dire. Hein. Bon, on va l'appeler thérapie parce que je ne sais pas trop quel nom utiliser. Hein. Bon, c'est déjà pas bon à la base.
Ah, on a encore les problèmes encore de circulation ici. Ici, alors, c'est encore les reins et la vessie, ce que j'avais déjà sorti dans le premier tirage. Et là, on a simplement le fait qu'il s'agit bien du côté médical ici, avec le côté mensonge. Alors, si on recouvre ensuite les autres cartes. Alors ici, j'ai encore les questions de fécondité qui ressortent, hein, puisque l'eau, c'est vraiment en relation avec les organes féminins. Ah, ici, j'ai le côté veineux. Alors, de toute façon, c'est une mauvaise carte, mais là, si je regarde au niveau uniquement des organes, c'est les veines. Et là, ben, écoutez, on retrouve encore une très très mauvaise carte, l'adversaire. Il n'y a pas d'organe en relation avec celui-ci, mais avec mensonge et adversaire, eh bien, on a encore la même chose que pour le premier tirage. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif. Et ça, c'est une grave maladie. Donc, de toute façon, c'est pas bon. Alors, je répète, hein, la circulation, la fécondité, les reins, la vessie, les veines. Donc, c'est ce qui ressort. On va voir si on peut en avoir encore un autre. Toujours au niveau des effets. Ben non, ça me dit simplement que c'est quelque chose qui va rester. J'ai pas d'autres organes. Simplement, ça me dit que ça reste dans l'organisme. Alors, je vais vous révéler ce que disait la coupe, hein, à propos du Psy, hein, avant que j'oublie. On avait mutation et élévation. Donc, ça veut dire que ce vax-là va donner normalement un changement dans la glande endocrine de l'hypothalamus, notamment ce qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale, c'est donc une glande qui est située au niveau du cerveau et qui permet de réguler tout ce qui est rythme biologique, hein, par exemple le sommeil. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un changement au niveau du rythme du sommeil. Donc les personnes qui sont fait piquer avec cette méthode PFI, eh bien risquent d'avoir des problèmes de sommeil ou des problèmes d'appétit, hein, puisqu'encore une fois, ça régule les cycles biologiques. Alors ça, c'est la première chose, parce que cette glande-là, elle est très très importante, la glande pinéale. Et la seconde, qui est à mon avis encore plus grave, c'est que c'est la glande qui nous permet d'élever notre niveau de conscience et notamment d'ouvrir notre troisième œil, c'est-à-dire de faire appel à notre intuition. Donc ça veut dire que s'il y a un changement au niveau de cette glande pinéale, eh bien les conséquences vont être vraiment très graves au niveau de l'organisme et au niveau, encore une fois, de l'élévation de la conscience. Voilà. Donc, je voulais vraiment expliquer ce que signifiait cette coupe. Je n'ai pas encore sorti la glande pinéale jusqu'ici, la carte de l'élévation. Mais l'élévation, vous voyez, c'est la carte qui permet de s'élever, donc de nous élever, nous. Hein, donc, ça, c'est la deuxième partie. Et donc, d'élever notre niveau de conscience. Hein. Donc, changement au niveau des rythmes biologiques et difficulté à élever notre niveau de conscience. Voilà. Donc, voilà pour le PFI. Je voulais simplement vous expliquer la coupe. Alors, le troisième, c'est celui que j'ai intitulé le moderne. Alors, le moderne. Il a été aussi utilisé un peu moins, je crois. Donc, on va regarder les effets sur l'organisme. Ah bah pareil, j'ai encore le mensonge et l'âme, décidément. Alors l'âme, c'est aussi le cœur, hein. J'ai été regardée dans mon livre. Donc bon. Donc le moderne sur l'organisme. Effet sur l'organisme. Voilà. Là, bah, on a une carte de difficulté, en fait. Hein. C'est quand on est vraiment dans une difficulté extrême. Alors, on a encore une carte médicale, décidément, ça ressort bien, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai bien le côté science ou médical. Il y a beaucoup... Alors là, c'est pas une carte d'organes, enfin, en tout cas, il n'y en a pas une qui me vienne à l'esprit, mais c'est simplement que il y a beaucoup d'inconnus, on va dire, beaucoup d'inconnus par rapport à ce vax. Et là, on a de nouveau les questions en relation avec les organes féminins, décidément, ils se retrouvent, hein. À chaque fois, donc les ovaires, l'utérus, ce côté-là qui ressort. Mais il y a beaucoup d'inconnus, donc on va essayer de voir sur le moderne ce qu'on peut donner, ce qu'on peut dire. Ouais, alors cette carte-là,
Alors, au niveau des organes, alors c'est les intestins, c'est aussi les nerfs. Hein. Donc, intestin, nerfs. Alors ça fait penser à un nouveau cycle pour les femmes qui ont leurs règles, leur menstruation. Donc, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Elles peuvent ne plus avoir leur menstruation, par exemple, nouveau cycle. Hein. Et là, ça fait penser au message. Pardon, au poumon. Message, oui, c'est le cas du message, mais le poumon. Alors, les poumons, les intestins, l'estomac. Vraiment le côté féminin qui ressort. Alors, il peut y avoir aussi les organes masculins, décidément. Et la circulation, c'est la carte de la circulation. Bon, c'est encore circulatoire. Donc, la circulation sanguine, vasculaire, ce genre de choses. Enfin, les deux en fait. Voilà, donc confirmation que c'est négatif. Ouais, alors, ça veut dire aussi que ça va s'enraciner. C'est vraiment profond. Les racines, ça va profond dans le corps. Et donc là, c'est pareil, ça risque de rester et de s'incruster. Bon, voilà pour le deuxième. Pardon, le troisième. Je sais plus où j'en suis. Alors, le troisième. Alors, on va faire le quatrième, qui est le John. Hein, le John. Le John et John. Donc, on va regarder pareil ce qu'il donne. Sachant que ces quatre-là, ils sont tous la même technique. Donc, on va regarder. Voilà. Le John. John, John. Ah, bah écoutez, j'ai encore la carte du sacrifice, hein, décidément. La coupe est aussi très révélatrice. C'est pareil, c'est le système veineux, ça. Hein. Alors, les hommes. Alors, curieusement, ça peut toucher davantage les hommes. Mais au niveau vraiment du système veineux. Vous savez, c'est en fait ces histoires de thrombose là. Hein, c'est ça en fait. Hein. Quand je dis système veineux, c'est à ça que je pense. Alors. Le John John. Donc là, on a le cœur. Pareil, question de circulation. Ça tourne. Là, je ne le mettrai pas vraiment en relation avec un organe. Par contre, là, il peut y avoir les questions au niveau de la tête. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt des choses qui sont communiquées. Alors, bon, on va nous en dire quand même quelques mots, mais bon. Alors, le John John. C'est aussi la relation à l'étranger, je pense. Pareil, ça, c'est les gens qui se sont fait piquer, ouais. Donc là, voilà, on est bien dans les questions médicales. Donc, ça sort bien. Donc, je vais me reconcentrer. Donc, les effets du John John sur l'organisme. Les effets du John John sur l'organisme, c'est plutôt donc les veines et la circulation. Pareil, ça s'enracine, donc ça va s'incruster. Bon, bah là, écoutez, pas bon, hein. C'est quelque chose qui est très agressif. Hein. Alors, est-ce que j'ai un organe pour ça? Alors, ce serait plutôt les organes masculins. Bon. Et là, c'est la carte de la malhonnêteté. On a suffisamment de cartes qui nous disent que de toute façon, ce n'est pas du tout honnête. Donc, ce n'est pas du tout transparent comme thérapie. Qu'il y a des choses qui sont définitivement pas correctes. Ça fait penser à des choses aussi qui sont, comment dire, au niveau de la composition. Hein, parce que ça fait penser à la pomme empoisonnée, ça. Donc. Et ça, c'est le serpent avec le venin, hein, c'est le diable là. Donc ça me fait penser en fait à des choses qui sont dedans et on ne sait pas ce que c'est, mais c'est très nocif. Et c'est très agressif. Hein. Bon, c'est les organes masculins, cette carte-là au niveau des organes, mais en fait ça me fait penser que c'est vraiment très agressif pour le corps, hein, et que ça va s'incruster, pareil. Donc négatif. Bon là, on a quand même le cœur qui sort d'abord. Les organes masculins, donc les questions de circulation, et puis ça s'enracine. Ouais. Je vais voir s'il y en a encore une. J'avoue que celui-là, je le connais moins. Hein. Autant les autres, on a entendu parler, mais
Alors, réussite. Bah, a priori, c'est une bonne carte. Donc, ça veut dire qu'il réussit. On va voir. Non, c'est de nouveau les organes féminins. Bon. Je m'étais un petit peu déconcentrée entre-temps. Hein. C'est les organes féminins encore qui ressortent. Bon, décidément. Mais pour l'instant, c'est vraiment le premier où il y a eu carrément les décès hein, qui est ressorti, la carte du malheur. Les autres, c'est plus... comment dire? C'est peut-être plus dans le temps ou c'est peut-être plus caché. Bon, on va utiliser maintenant les cartes pour le dernier, qui c'est le Sano, hein, qui n'est pas encore sur le marché, qui devrait arriver, je ne sais pas quand, 2021 normalement. Donc, on va regarder le français, hein, le Sano. Alors, le Sano, je crois que c'est la même technologie que les autres. C'est un peu contradictoire ce que j'ai lu sur le net. Donc, bon. Mais il me semble que c'est la même technologie. Donc, on va voir. Je n'ai pas d'a priori puisque je ne le connais pas. Donc, le Sano, les organes. Enfin, plutôt les effets sur les organes. Allez. Alors, bah, j'ai encore la nécessité ici. Donc, pour moi, les trois parcs, hein. Clotho, Atropos, Lachésis et l'homme. Donc, a priori, peut-être plus toucher le côté masculin, on va voir. Donc, les trois parcs, ça veut dire aussi que c'est en train d'être filé, hein, parce que vous connaissez l'histoire des trois parcs. Hein, sinon, je vous invite à aller regarder au niveau de la mythologie, c'est très intéressant. Donc, il y en a une qui est en train de tisser le fil. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas encore sorti, hein, c'est en cours. Hein, bon, mais ça va se faire. Hein. Alors, le Sano. Qu'est-ce qu'il va nous faire le Sano? Voilà. Pareil, les gens qui vont se faire piquer ici. Toujours les questions de circulation. Ouais, il y a bien le côté masculin, donc peut-être les organes masculins ici. Et on a bien le côté médical qui ressort. Donc pareil, hein, ça veut dire que je suis bien sur le thème. Alors, le Sano, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc pareil, rein, vessie, le côté féminin et stérilité. Aïe. Hein, vous connaissez un petit peu les cartes maintenant. Hein, quand on a femme avec désert, c'est question de stérilité ici. Qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre? Alors, qu'est-ce que mon jeu peut nous dire d'autre sur celui-ci, le Sano? Non, c'est la France là. Donc, par contre, il va y avoir de la paperasse ou des communications à ce sujet. On va voir. Ah, ça a peut-être été fait en relation. Comment dire? Ça a peut-être été fait avec un autre pays. Par contre, ça, c'est possible. Ben, écoutez, je suis désolée. Moi, j'ai cette carte-là qui est sortie. Voilà. Donc, ça se passe de commentaires. Hein. C'est la plus mauvaise carte du jeu, celle-ci. C'est les décès. Bon. On arrête là. Allez, on va encore mettre juste une carte pour savoir éventuellement quel est l'organe qui pourrait être le plus touché. Mais bon, là, j'ai les reins, la vessie, les organes masculins, les organes féminins, la circulation féminine avec le risque de stérilité. On va voir quand même éventuellement si on peut en avoir un. Alors, l'oméga, ça me fait encore penser à un cycle. Donc, j'avais dit dans le premier tirage qu'il fallait que le vax fasse le tour. Ça me fait penser aussi avec la femme, le cycle féminin. Hein, je mets un petit peu en relation là. C'est plutôt les femmes, j'ai l'impression, qui risquent d'être plus touchées ici. Mais de toute façon, là, attention, si ces femmes-là sont enceintes, hein, c'est pas bon. Hein. Dernière carte, allez. Ouais, puis il y a le cœur éventuellement. Bon. Donc voilà pour ces vax. Hein. Les effets. De toute façon, à chaque fois, j'ai une très mauvaise carte qui est sortie. Hein. Donc, pas bon. Il n'y en a aucun qui est bon. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très, très plaisir que vous soyez de plus en plus abonnés à ma chaîne, qui restera vraiment sans publicité, je vous l'assure. Hein, parce que je trouve ça désagréable d'être toujours interrompu par les pubs. Alors, pour finir sur une note positive, ça c'est un autre jeu que j'ai depuis des années, je ne me sers pas trop en fait. C'est le tirage avec les anges gardiens. On va voir si on peut avoir un conseil pour nous aider un petit peu à tenir le coup
dans cette période qui est vraiment, vraiment difficile. Hein. On est tous en train de souffrir. Et donc, on va voir si on peut avoir un conseil sympathique des anges gardiens. Donc, je ne regarde pas la coupe. Hein. Je vais juste tirer une carte. Puis, je vais vous dire le conseil. Ce qu'ils peuvent nous dire. Allez, c'est parti. Vitalité. Alors, il est temps de changer certaines habitudes. Donc, cette carte nous invite à prendre soin de nous. Aller éventuellement doper notre vitalité. Hein. C'est une carte qui fait penser au soleil. Hein. Le soleil, c'est la vitalité. Donc, prenez soin de vous, changez vos habitudes. Alors, ça veut dire aussi sortez. Évitez le masque. Hein. Franchement, moi, les gens dans la rue qui portent le masque, ça m'énerve. Hein. Chez nous, c'est pas obligatoire dans la rue. Bon, quand je vois des pauvres gosses qui sont en vélo, qui mettent le masque, j'ai envie de leur courir après en disant « Mais enlève ça, respire. » Franchement, ça me fait de la peine. Donc, respirez. Allez dans la nature. Bougez. Éventuellement, faites attention à votre alimentation. Donc, bon, voilà. Changez certaines habitudes pour aller mieux. Et vraiment augmenter votre niveau d'énergie, votre vitalité. C'est le conseil pour aujourd'hui. Voilà, à bientôt pour un nouveau tirage. Merci beaucoup. Au revoir.